Bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, une série qui est consacrée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Alors, ce soir, il sera question de Samuel de Champlain et des grands explorateurs de l'Amérique française. Samuel de Champlain serait né protestant à La Rochelle en 1574. Il grandit par la suite à Brouage, un petit village de la Saint-Onge en France, et il est mort à Québec le 25 décembre 1635, date tout indiquée pour cet homme très pieux. C'est un homme vraiment d'exception. Il aurait traversé au moins 27 fois l'Atlantique. On lui doit aussi une carte du Québec, probablement la première carte du Québec, qui est d'une précision à couper le souffle. Quand on tient compte des techniques de l'époque, il a aussi décrit dans de nombreux récits de voyage les richesses, les incroyables richesses de notre pays, mais aussi les mœurs et coutumes de ses premiers habitants, les Amérindiens, qu'il a beaucoup côtoyés, avec qui il a beaucoup travaillé. Il était aussi une sorte d'anthropologue. Aujourd'hui, nous parlerons surtout du Champlain explorateur. On aurait pu aborder sa vie de toutes sortes de facettes, mais nous allons parler du Champlain explorateur que nous retrouvons à Tadoussac. En 1603, que nous retrouvons évidemment à Québec, hein, fondateur de Québec en 1608, mais aussi que nous retrouvons en Huronie en 1615. Un, un récit de voyage, d'ailleurs, que je vous invite à lire, son voyage en Huronie, qui est absolument captivant et fascinant. Alors, pour nous parler de ce personnage hors du commun et des autres explorateurs de l'Amérique française, nous avons invité non seulement un grand spécialiste, mais un invité de marque. C'est un grand pédagogue. Que nous avons invité ce soir, un grand pédagogue qui a commencé sa carrière comme professeur d'histoire dans l'une de, des défuntes écoles normales du Québec. Il a ensuite été fonctionnaire au ministère de l'Éducation durant les années 60, des années d'effervescence, des années durant lesquelles il était chargé donc des programmes d'histoire. Il a par la suite fondé deux maisons d'édition. Il est toujours très actif aux éditions du Septentrion, comme vous le savez tous et toutes. Et il a été ministre, c'est pas rien, il a fait de la politique, il a été ministre des Affaires culturelles sous le gouvernement Lévesque à la fin des années 70. Mais nous le recevons surtout, et vous l'avez deviné, comme un historien, un grand historien de la Nouvelle-France. Il a publié de nombreux ouvrages, chapitres de livres, et son œuvre reçoit depuis quelques années de nombreuses distinctions, la dernière et non la moindre étant un doctorat honoris causa de l'Université Laval, l'Université Laval de Québec, où il vit toujours. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Monsieur Denis Vaujois. Bienvenue, merci. Alors bienvenue aux figures marquantes de notre histoire. Il est question aujourd'hui, donc, des explorateurs de l'Amérique française. C'est un sujet que vous avez euh, pas mal potassé au fil des années, notamment Champlain. Champlain, à qui vous avez consacré ce magnifique livre, euh, publié conjointement avec euh, Le Nouveau Monde, des éditions du Nouveau Monde. Euh, Champlain, la naissance de l'Amérique française. Et vous avez aussi publié, mais là, je, je, je pour en citer, pendant, ça serait long, on prendrait la moitié de l'émission, mais on va, on va s'en tenir à deux, « La mesure d'un continent ». D'où on sent que vous êtes complètement fasciné par ces explorateurs de la Nouvelle-France que, que vous étudiez depuis, depuis très longtemps. D'où vous vient cette fascination? Comment ça, quel a été l'élément déclencheur? Je, je, je connaissais la question et j'ai cherché la réponse. Euh, J'avais envie de répondre d'abord parce que je viens de Trois-Rivières et les plus grands explorateurs viennent de Trois-Rivières. On va en parler ce soir. Oui, on voit ouais. tout de suite que vous n'êtes pas un homme chauvin. <laughs> Euh, je dois être chauvin. L'air <laughs> chauvin figure parmi les explorateurs. <laughs> non, je pense que c'est progressivement. Il y a peut-être un peu l'influence de, de Tessier, mais, euh, mais c'est un sujet qui, une fois que tu commences à t'intéresser à l'Amérique française, tu veux savoir comment elle s'est formée, comment elle, elle est née, comment elle s'est développée. Et là, tu ne peux pas passer à côté des, des explorateurs. Et ce sont des géants. Je pense que c'est gros qu'il cette expérience-là, chevaucher de géants. Et je pense que c'est juste. C'est des personnages fascinants. Donc, moi, ils m'ont fasciné. Puis, euh, et là, quand j'ai connu le sujet de l'entretien de, de ce soir, euh, j'étais très content et j'ai accepté sans, sans hésiter. Mais après, j'ai commencé à craindre parce que le sujet est tellement vaste que vous avez à peu près 1000 occasions ce soir de m'attraper. De de oui, mais ce ne sera pas le but. Alors, on euh, a seulement 60 minutes. C'est un marché conclu. Ah, c'est un marché conclu. C'est un pacte. Tout de suite, on va essayer <laughs> de vraiment de faire un tour d'horizon en mettant un peu plus euh, l'accent au départ sur Samuel de Champlain. Donc commençons avec euh, lui, Samuel de Champlain. Que sait-on au juste de ses origines Puisqu'il y a un petit peu un mystère qui tourne autour de sa date de naissance, par exemple, mais aussi de sa religion, la religion de sa naissance. Qu'est-ce qu'on sait? Euh, où est l'état de connaissance là-dessus? Vous avez dit tout à l'heure dans la présentation, c'est un homme très religieux qui a choisi de mourir le 25 décembre. Choisi, je ne sais pas. Euh, mais je <laughs> suis euh, pas sûr qu'il ait été très religieux toute sa vie. Mais à la fin, il a été peut-être euh, bien encadré par les Jésuites, ce qui l'a aidé à intensifier ses sentiments religieux. Euh, vous me demandez qu'est-ce qu'on sait des origines de Champlain. j'ai envie de dire rien. Effectivement, on ne sait rien. Il mm -hmm. euh, y a quand même ce. Bon, D'accord? Euh, je pourrais vous dire broder un peu quand même, mais. Il euh... ben, y a d'autres questions. Y a... Soyez pas inquiets. <laughs> oui, il oui, y a d'autres questions. Avez... Soyez pas inquiets. Euh, donc, on ne sait rien, mais en même temps, il y, y, y a un baptistère qu'on aurait trouvé. Est-ce qu'il est fiable, euh, qui date euh, sa naissance? Parce qu'il y a eu une controverse en 2008. là. Vous savez qu'en 2008, euh, on a dit est-ce que Champlain le sur un peu sur les origines. Il y a eu un petit peu une controverse sur... Les origines de Champlain lui-même, là? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ben oui, oui. Oui, bien oui, c'est pour ça. C'est Comme on sait pas grand-chose, euh, on peut se disputer. Ce fameux baptistère, euh, ben, en général, les généalogistes l'ont accepté comme une pièce authentique. Euh, Marcel Fournier, ici à Québec, qui est un leader dans le domaine de la généalogie, euh, a souscrit puis a applaudi. Mais à côté de ça, Éric Thierry, qui est un spécialiste de Champlain... Lui n'est pas encore certain. Mm -hmm. Et puis, euh, entre les deux, je ne choisis pas. Sauf que, comme il est, comme il a le prénom Samuel, oui, ce sera un, Il paraît-il que les protestants avaient ce genre de nom de l'Ancien Testament, donc on peut ouais, penser qu'il oui, était ça, oui. Les juifs aussi. Alors, ouais. écoute, on ne, va pas loin avec ça. Ouais. Euh, mais probablement qu'il n'était pas juif. Ça. Euh, ouais. <laughs> bon, encore là, alors, vous avait euh, beaucoup d'assurance. Hein? Oui, oui, c'est vrai, vrai. Alors, écoutez. <laughs> non, mais attends, attends un peu. Dans le cas de Champlain, il reste qu'une des, une des hésitations d'Éric de, de Thierry, c'est sur le fait que dans le document, c'est Chapelot et ce pas Champlain. Ça a son importance. Mais mm. quand on fait de l'histoire comme on en fait, on est habitué à ça. Hein? Des, des, des noms de famille mal orthographiés, ouais. etc. Donc, on, je pense qu'il y a encore place pour, euh, pour de la recherche. Et le fait que ce soit dans un temple protestant, mais ça confirmerait qu'il est né protestant, mm -hmm. ce qui ne l'étonne pas. Mm -hmm. Mais euh, qu'il soit devenu catholique à un certain moment, parce que, euh, il y a en 1585, entre autres, il y a l'édit de euh, Nemours qui, euh, qui, va, qui va enlever tous les privilèges accordés aux protestants pour dire maintenant tout le monde est catholique. Bon, alors, euh, Champlain n'a pas échappé à cette vague-là. Vague Mais pour lui, avant, pendant, pendant, pendant plusieurs années, ce n'est pas important. Il est entouré d'ailleurs de protestants. Mm -hmm. et Il marie une femme qui est protestante. Mm -hmm. Une chose qui est absolument fascinante dans le cas de, de Champlain, c'est qu'il est quand même, il évolue dans un milieu modeste, à Brouage, dans Saint-Onge, il évolue dans un milieu relativement modeste, mais il a accès très tôt et très rapidement à la cour d'Henri IV. Comment l'expliquer Parce qu'il a un accès, même il va être pensionné assez rapidement au, au début du 17e siècle. Ce n'est pas tout le monde qui avait une pension comme ça. Comment expliquer cet accès privilégié La pension elle peut s'expliquer par le fait que quand il est revenu de son voyage aux Indes, il a fait un, un, produit un document qui a dû faire grand plaisir au roi. À part de ça, il s'était battu pour, pour la France. Et le roi se récompense les gens qui ont été fidèles. Donc, il y avait plusieurs occasions de lui, de lui donner une pension. Mais vous avez raison de dire qu'il il a, a accès au roi. Et ça, ça, reste, ça fait partie des mystères de Champlain. Euh, il est excellent cartographe, mais le roi ne peut pas le savoir encore. Il ne l'a pas vu à l'œuvre. Euh, il a vraiment accès au roi, et ça, c'est un de mes sujets de, dis, de dispute avec Éric Thierry. C'est que quand Champlain se fait proposer de venir en Amérique avec Aymar de chasse, il va dire à Aymar de chasse, « Oui, ça m'intéresse d'y aller parce qu'Aymar de chasse sait qu'il est allé déjà euh, en Amérique, donc c'est son homme. Mais il dit De par ma naissance et de par la pension qu'il me verse, il faut d'abord que j'en parle au roi. Alors, quand on dit de par ma naissance, et je vois que vous avez l'ouvrage de Fischer, Bien, Fisher, lui, a fait l'hypothèse que Champlain aurait pu être un enfant naturel d'Henri IV. Oui, en effet. Et Éric Thierry proteste, il dit c'est pas vrai, c'est pas possible, les bâtards du roi sont traités d'une autre façon. Ça restera un autre, un autre mystère. Mais mm -hmm. c'est clair que ça serait plausible et ça expliquerait plein de choses. Mm -hmm. Alors, un des voyages les plus importants, en tout cas, qu'on attribue à Champlain, c'est en Amérique du Sud. Il aurait agi oui. comme, comme espion et ça aurait eu un, un rôle important par rapport à sa perception, selon Fisher. L'historien Fécheux, son, son biographe, sa perception, disons, des Amérindiens. Oui. Est-ce qu'il il paraîtrait, euh, les spécialistes disent que ce n'est pas si sûr que ça qu'il y est vraiment allé? Est-ce qu'on a vraiment la certitude aujourd'hui qu'il a été en Amérique du Sud et, qu et quelle était sa mission? Si Quand on a fait le premier livre que vous avez présenté, là, oui. avec Raymond L Italien, c'était un, une de nos grandes questions. On a, on a engagé une, une spécialiste et c'est elle qui a eu les, les plus gros budgets, d'ailleurs, pour faire ses recherches. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a personne qui conteste ce voyage euh, aux, aux Indes occidentales. Alors, euh, donc ça, c'est relativement admis. Dans le cas de Fischer, c'est très intéressant. Fischer, c'est un homme qui est gentil, qui est généreux, euh, c'est un bon Américain qui, euh, qui regarde les gens avec, euh, avec un œil positif. Alors, nous, il nous regarde avec un œil admiratif. Il trouve que notre société est équilibrée, etc. Il cherche des explications. Et notre façon de se comporter avec les Indiens, contrairement à l'image qu'on répand souvent, c'est l'image, c'est-à-dire la relation la plus positive qu'il y oui, a eu en Amérique. En Amérique, si on regarde les Espagnols, les, les Anglais, alors dans le cas des Français, c'était exceptionnel. Et, et là, euh, Fischer, il dira le fait d'être allé aux Antilles, d'avoir vu comment les Espagnols se comportaient avec les Indiens, Champlain dit si je suis en situation, ça ne sera pas comme ça. Et, euh, et ça, c'est donc euh, plausible. C'est plausible. Oui, hein? oui, ouais, c'est plausible. Mais de toute façon, c'est le comportement de Champlain. Champlain est extrêmement positif, très, extrêmement ouvert avec les, les Autochtones. Il, il les connaît, il les nomme par leur nom. C'est le, le seul administrateur français qui en connaît autant, et personnellement, il établit avec eux une relation euh, personnelle. Il dit, ah, l'année, j'ai rencontré ton père, je connaissais ton père, des choses comme ça. Et Champlain est très, très près d'eux. Et c'est ce qui explique, finalement, on fait un raccourci, là, ce soir, là, c'est ce qui explique l'Amérique française. Parce que s'il n'y avait pas eu ce comportement vis-à-vis -vis des Indiens, il n'y aurait pas eu les alliances, il n'y aurait pas eu la suite. Alors, il se retrouve, on saute des bouts, mais il se retrouve à Tadoussac oui. en 1603. Parlez-nous oui. de, ce, de, de cette expédition qui est très importante euh, pourquoi Tadoussac? Avec qui il est? Ils sont, ils sont combien? Quel est ouais. la, le but de la mission? Quelles sont les conséquences? J'aime bien en parler parce que on, ça permet de rétablir un certain nombre de choses. D'abord, avant, on ne parlait pas de 1603. Ça commençait en 1608. Bon. Alors, tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait eu une rencontre à 1603, puis il y a des gens qui voudraient qu'il y en ait eu une en 1600 aussi, ce qui est réel, mais qui n'y pas vraiment eu de suite. En 1603, c'est Pont Gravé. Pont Gravé, ça fait depuis 80, 1580 qu'il vient en Amérique. Il vient fois après fois. Et là, il y a donc une expédition en 1603 qui est assez importante parce qu'il revient avec des, deux Indiens et on veut on veut amorcer quelque chose de plus permanent, il est mort oui, de que chasse. C'est ça, parce qu'il y a des Amérindiens qui parlent le français quand ils reviennent oui, en 1603. Oui, qui, ont, qui, ils comprennent ils, le... qui ont séjourné là-bas. Mm -hmm. Et probablement, lui-même, parle plusieurs euh, plusieurs langues indiennes. Donc, euh, c'est sa mission à lui. Mais là, il est mort de chasse qui va aller plus loin. Il vient d'avoir le monopole de la traite. Alors, il va aller plus loin. Alors, il a demandé donc à Champlain de, de se joindre et euh, De Chaste euh, va miser beaucoup sur, sur Champlain, mais il reste que l'homme clé, c'est Pont-Gravé. Et, et Champlain, donc, est un, est un second, il prend des notes. Mais pendant que Pont-Gravé fait les affaires, la traite, etc., là, Champlain va demander aux Indiens de remonter le Saguenay. Et ça, c'est un élément très important pour moi. Parce qu'on ne sait pas grand-chose des origines de Champlain, j'insiste un peu là-dessus pour vous provoquer, mais on sait qu'il a beaucoup appris, qu'il sait beaucoup de choses. Et entre autres, qu'il s'est intéressé aux voyages au nord. Puis on sait qu'il rêve de percer ce continent, comme tous les Européens, pour atteindre la Chine. Donc, il est au courant des voyages qui sont faits au nord. Là, il est à tête du sac. Il voit un puissant cours d'eau qui arrive du nord. Il dit aux Indiens, Est-ce qu'on peut aller voir? Les Indiens remontent le Saguenay avec lui. Puis à un moment donné, il dit Bon, on ne va pas plus loin Il dit Pourquoi on ne va pas plus loin? Ah, on est allé assez loin. Parce que les Indiens ont ce réflexe de ne pas montrer ce qu'il y a plus loin. Ils veulent toujours contrôler les passages. Donc, ils vont lui dire, il y a un grand lac. Puis après le grand lac, il y a d'autres rivières. Puis après ça, il y a de l'eau salée. Champlain, oh, il est bien malade. Il y a de l'eau salée. Hein? Pas parce qu'il de l'eau salée, mais ça veut dire quelque chose. Hein? Ouais. Donc, il revient. Et ça, tout de suite, je vais faire des raccourcis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En 1609, il est à la hauteur de Trois-Rivières. Il voit le Saint-Maurice. Il dit aux Indiens, là, je vais aller vous aider à combattre les Iroquois. Mais il dit, « Est-ce qu'on peut s'entendre qu'on va, on va explorer cette rivière-là? Jusqu'où ça va? » Ah, ils ont dit, « Ça va très, très loin. » Puis là encore, il lui parle d'une mer, l'eau salée. Puis alors, Champlain dit, « On va y aller. » Puis les Indiens, « Oui, puis on ne va pas revenir par en haut de, du Saguenay. On sait que ça t'intéresse. » Champlain dit, « Quand est-ce qu'on y va? » Les Indiens disent, « L'année prochaine. » Et il y a une troisième fois, en 1613, euh, là, Champlain euh, a vu les cartes du voyage d'Hudson. Et là, il revient avec quelqu'un qui est supposé être allé. Euh, à l'abbé du Tson avec les Nipissingues. Et là, il, quand il est chez les Nipissingues avec son ami Vigneault, il dit à Tessouat, il dit Bon, euh, vous savez pourquoi je suis venu Vous avez amené Vigneault à l'abbé du Tson. Moi aussi, je vais y aller. Vous allez m'amener là-bas. Tessouat, il dit On se calme, là. Mm. Tu es fatigué, Champlain. Va te reposer. Et le lendemain, il lui dit Non, on t'amènera pas à l'abbé du Tson. Mm. Les Indiens, à trois reprises, vont lui bloquer l'accès à l'abbé du Tson. Alors, il Votre hypothèse là-dessus ah, ben, C'est qu'ils veulent, ils veulent garder le contrôle des contacts qu'ils ont ouais. avec les gens qui s'établissent au nord. Mm -hmm. Comme il a, ils mettent toujours les Français en concurrence avec Albanie, mm -hmm. ils vont les mettre en concurrence avec la bédou Sautons Sautons. À... Excuse-moi, oui. c'est à ce moment-là que Champlain va dire ben, d'abord, on fonce au centre. Mm -hmm. Et là, il va diriger ses mouvements d'exploration vers le centre, au-delà des, des Grands Lacs. Et là, mais justement, 1608, euh, il faut quand même en parler, 1608, quand il y a eu les commémorations de 2008, on a mis en cause. Euh, la paternité de Champlain, on disait que n'était pas vraiment lui. En enfin, fait, ça remontait à loin, ces querelles. Mais le point sur, sur cette question-là, est-ce qu'on peut dire vraiment, sans se tromper, que Champlain est le fondateur de Québec en 1608? <laughs> Franchement. Hein? Franchement. Expliquez-nous, là. On ne prend rien pour acquis. On prend rien pour acquis. C'était un peu triste, cette histoire-là. Oui. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a dit euh, c'est Anna Dabijoux. Anna de c'est l'indien avec lequel Pontgravé a traité. Et c'est vrai que Pontgravé a dit, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous établir, vos fils et nos filles vont mettre au monde un nouveau peuple, etc. Donc, c'est vrai qu'Anna de Bijou a été associée à ce geste que Champlain va, va poser. Pontgravé, qui a choisi l'endroit, qu'il avait montré à Champlain dans l'expédition qui fonce 1603, pourrait aussi être identifié. Henri IV, qui est le grand patron aussi à ce compte-là, mais c'est qu'on nous a proposé du Godemont. Du Godement était venu dans le Saint-Laurent en 1601 ou 1602, mais il n'avait pas voulu aller plus loin. Il ne s'est jamais rendu plus loin que le Saguenay. Mais on a voulu en faire le fondateur de Québec. Ça fait un drôle de fondateur, quelqu'un qui n'a pas voulu se rendre jusque-là. Mais c'est Clara qui finançait l'expédition. Hum. Mais là, il y a des gens, des chasses aux oreilles, ce soir, je ne je vous dirai pas comment il a financé l'expédition. Effectivement, il avait financé, il avait réussi à convaincre des gens de, de s'associer à lui. Mais comme on lui retire son monopole après l'année 1608, Là, là, il fait tout pour essayer de le récupérer. Il ne le récupère pas. Vous savez où est ce qu'il fait? Il met en vente l'habitation de Champlain. Tu parles d'un fondateur. Mm. Il n'était pas très attaché à sa fondation. Hein? Moi, mm. bon, en, ça... en histoire, je ne suis jamais tout à fait honnête. Hein? Oui. Ah. Vous dites pas ça à vos lecteurs, là. Non, mais c'est oui, la vérité. J'ai toujours un petit parti pris. Et dans le cas du monde, je ne l'aime pas. Oui. Alors, vous êtes un chaud partisan de Champlain. Et je trouve regrettable, par exemple, qu'on ait réussi à lui faire édifier un monument à Québec alors que Pont Gravé n'en a pas. Ouais. Et Pont a été avec Champlain depuis 1603 jusqu'à la capitulation de 1629. Pont Gravé, c'est extraordinaire. À la capitulation de Québec en 1929, il est là avec son petit-fils. Il ne lâche pas. Il n'a jamais lâché Champlain. Et c'est le mentor de Champlain. On ne sait pas où Champlain a appris tout ce qu'il sait, mais c'est clair qu'il en a beaucoup appris avec Pont Gravé. Mm -hmm. Donc Champlain en 1609, euh, vous, on ne on on, on va pas euh, en parler trop longtemps, mais il va, il va, quand même vers le lac qui va un jour porter oui. son nom. Oui. Euh, il va ouais, soutenir. Écoute, alors je... Champlain il est extraordinaire. Elle ouais. ah, dit quel beau lac, hein Bon, on va l'appeler Champlain. <laughs> Champlain il est parfait. Un hein? Homme modeste, hein. Oui. <laughs> et donc là, il, euh, il, il va donc combattre les, les, en fond, les ennemis de, de ses oui, alliés. Oui. Hein? Encore là, encore là, il dit euh, j'ai mis euh, j'ai mis un peu de, de, de balles dans mon, mon arquebuse, sur mon mousquet. Là, ils m'ont dit comment identifier les chefs là-bas. Alors, il dit quand il s'avance, là, il dit j'ai vise, j'en tue, tue deux et j'en blesse un, d'un coup. Vous ne croyez pas ça, vous J'ai demandé à des experts. Hmm. Des admirateurs de Champlain, on dit ça se peut. Et vous les avez crus. Euh, <laughs> ensuite, ensuite, mais il va pas, il va. Mais ce qui, ce que je, pourquoi j'attire votre attention quand on parle de l'explorateur, il continue pas vers le sud, parce que justement quand on, on vous lit, on comprend que c'est l'Ouest qui, qui l'intéresse, c'est le fameux passage. Donc il poursuit pas vraiment vers le sud. Non. Hein, ou très peu. Non. Et on le retrouve quelques années plus tard, on fait un, un saut de puce, mais on le retrouve en Huronie, oui. en 1615. Parlez-nous oui. de cette expédition. Il se retrouve là blessé. Oui. Il écrit. Pourquoi et quand, dans quel contexte <laughs> il se retrouve là? Bon, ben, elle est très importante parce que là, il y a... Il y a D'abord, la première fois qu'il est allé, pas tout à fait à la Huronie, mais euh, chez les Algonquins, avec Tessouat, ce que je racontais tout à l'heure, là, son idée, c'est d'aller à l'abbaye du son parce qu'il a vu les cartes hudson qu'il a piégé d'ailleurs pour corriger ses propres cartes. Mais après ça, là, il est retourné en France, il passe un hiver là-bas, une année, là, il revient avec les recolés. Et les recolés, les autres, là, c'est vraiment, ils sont ardents. Ils veulent aller convertir des Indiens. Et puis, il y en a un qui a décidé, il a visé la Huronie, on s'envoie là-bas. Champlain, ne veut pas le laisser tout seul. Puis en même temps, il se dit, c'est ma chance. C'est ma chance d'y aller avec lui et puis d'explorer de, de ce côté-là. Ça, ça va être son dernier grand mouvement d'exploration euh, vers la Huronie. Et c'est tout un voyage, hein? remonter l'Outaouais, se rendre à de sortir dans la baie georgienne, aller au fond de la baie georgienne. Puis une fois rendu là, c'est que le but, le but officiel, c'est d'aller à la guerre contre les Iroquois. C'est un autre combat qu'on va faire aux Iroquois. Et là, on dit aujourd'hui que c'est dans la région de Syracuse. Alors, c'est encore le fond de la baie georgienne pour aller jusqu'à Syracuse. C'est encore là un gros déplacement. Mais là, Champlain le fait. Et c'est là qu'il va être blessé. Parce qu'il y a de la difficulté à discipliner les, les, les Indiens au combat. C'est <laughs> pas le dernier. Comment, là, il n'est ne pas, pas le dernier. Ouais. Donc là, il va être blessé, euh, assez, assez, pas gravement pour risquer sa vie, mais il ne peut pas marcher. Il va être transporté ah. hein, par ses amis. Ado, ado là, vraiment, ouais. il est humilié. C'est très souffrant. Hein. Il, il est très souffrant. Alors quand il est chez les Indiens, là, il dit, bon, guérissez-moi au plus, au plus vite pour que je rentre à la maison. Et puis euh, l'autre, ils prennent leur temps. Ils disent, no, tu vas être bien, ils disent, on va passer l'hiver avec toi, puis etc. Mais donc, mais il a exploré encore. Il n'a pas perdu son temps. Il a observé ah. les Indiens, puis il a pris des notes. Et puis là, il sait même à quel degré de latitude, il sait qu'il est à 44 degrés. Parce qu'il est vraiment, pour, comme cartographe, pour, pour lire euh, les, la nature, il est... Il est Écoute, j'ai dit tout à l'heure, on ne sait rien de Champlain. Mais ce qu'on sait, c'est le résultat, c'est un homme exceptionnel qui sait tout faire, qui maîtrise tout ce qu'on peut maîtriser euh, à l'époque. C'est vraiment, il est universel. On, on parle, on parle d'un homme de la Renaissance, dans ce sens-là, hein, un oui. homme qui possède la, la, la oui. connaissance. Vous dites qu'à parti, partir de 1618... Euh, oui. le, de l'explorateur, il devient plus administrateur. Oui. Comment expliquer euh, ce changement de cap pourquoi Comment expliquer qu'il qu poursuit pas ah, C'est cette... que c'est difficile. C'est difficile. En Europe, entre autres, Richelieu se chicane avec la Reine-Mer. Écoute, il a perdu Henri IV. Henri IV c'est un roi important pour lui. Il essaie de se refaire des réseaux. Il passe son temps à changer de, de patron à, ouais. à Paris. Donc ça va toujours rétablir, rétablir les choses. Alors là, il est aux prises avec des disputes en France et en plus sur place, euh, les, les compagnies se disputent. Il y a beaucoup de, euh, de contrebande finalement. Alors il, là, il essaie de contrôler la situation. et Il la contrôle difficilement, même à un moment donné. Il y a des, des, des jeunes d'une compagnie qui disent, écoute, Champlain, on t'a assez vu. On t'a assez vu, ça va être Pont Gravé qui va devenir le patron ici. Pont Gravé dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je ne veux pas prendre la, la fonction de Champlain. Et Champlain proteste et dit, Pont Gravé, c'est mon ami, mais, mais il ne sera pas mon patron. Mm. Et puis, il dit, cet homme-là, je le respecte infiniment, il pourrait être mon père, ce qui donnait des indices à l'époque, parce qu'on ne savait pas quel était l'âge exactement. Maintenant, on a découvert, on ferait toujours beaucoup de découvertes en... En histoire. Donc, là, on a découvert son, la naissance de Pont On sait qu'il avait à peu près 20 ans de plus que Champlain. Mais à ce moment-là, et encore aujourd'hui, on ne connaît pas l'âge exact de Champlain de façon sûre, mm -hmm. si on réfère à la question du départ. Mm -hmm. et donc, 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 il y a de la difficulté avec ses compagnies. Ouais. Et euh, il essaie de, de contrôler la situation. Tu disais tout à l'heure qu'il faisait venir des colons, mais c'est pas facile de faire venir des colons. Il en non. vient pas beaucoup Il n'y en a mais, pas qui viennent. Non, exactement. Hein. C'est un défi euh, constant. Et puis, on a l'impression que ces réseaux euh, changent avec le temps. Oui, euh, c'est ouais. très difficile. Quels sont ces liens durant les années 20, justement, avec, euh, disons, les Jésuites qui, euh, peu à peu, vont avoir euh, un rôle important, qui vont aller tranquillement s'installer dans les, dans les pays d'en haut euh, Quand tu l'as formulé, j'ai eu peur un peu de la question. Qu'est-ce que je veux répondre à ça Mais euh, la réponse elle vient de m'arriver c'est que je ne pourrais pas répondre comme tu l'as posé la question, mais je peux dire ce que les jésuites vont emporter. Parce qu'à partir du moment où lui cesse ses explorations, les jésuites se mettent à faire. Ils vont mmh. au-devant des Indiens. Et c'est eux qui vont nous faire connaître le, le début des grands lacs. Mmh. Euh, avec Jean Bourdon, il y en a un qui va faire une première esquisse euh, des grands lacs. Donc, ça devient les, les pionniers de l'exploration tout sous le couvert de l'apostolat. Mmh. Euh, donc, Champlain... par exemple, oui, Jacques et les autres, c'est vraiment des, des, des champions, des surhommes ouais. d'ailleurs. C'est des surhommes. Ouais, ouais, ouais. sur hein? ouais. on, on regarde ça avec un petit peu de distance aujourd'hui, ces, ces, ces martyrs canadiens-là. Mais quand on regarde leur vie, c'est exemplaire. Ouais. Exemplaire. Et Ce sont ouais. des mystiques. Hein? Oui, absolument. Des, et, et donc, Champlain s'éteint euh, en 1635. Euh, Mais auparavant, avant, avant de mourir, il y a un sursaut. Quand il revient après la prise de Québec, Québec est rendu. Quand il revient, euh, là, il faut qu'il reconstruise tout, il repart, il repart à zéro. Est... Mais il n'est pas découragé, il repart, il recommence. Et là, il apprend qu'un ami Jean-Nicolette, c'est un, un de ses truchements, il vient d'arriver avec des cargaisons de fourrure. Il va voir notre de Nicolette, il dit « Écoute, là, on va régler un problème. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a après le lac supérieur? » Parce que là, il commence à avoir une idée là, des, des grands lacs. Il dit « Serais-tu d'accord pour aller voir? » Et Nicolette va être notre premier grand explorateur. Et quand je faisais allusion tout à l'heure à mes origines trifluviennes, c'est que Nicolette a marqué l'histoire de trois Et comme c'était un des premiers à faire officiellement ces grands voyages-là, évidemment, ça va contaminer les gens de trois jusqu'à aujourd'hui. <laughs> voilà, tout s'explique. Euh, Champlain, son legs, euh, qu'est-ce qu'on lui doit aujourd'hui à Samuel de Champlain? Qu'est-ce que les gens aussi de l'époque lui doivent? Je... Je pense qu'il ben, y avait. il y a eu des ennemis, il y avait des rivaux, mais au total, je pense que c'est un homme qui était respecté. Et ce qu'on lui doit, c'est ce que j'ai dit au début, on lui doit d'exister. on lui doit d'exister. Parce que s'il n'avait pas été là, le reste, serait, je ne vois pas comment ça serait passé. Et donc, il est à l'origine des alliances franco-indiennes, il est à l'origine des grands mouvements d'expansion, il est à l'origine de la naissance de l'Amérique française, d'où nous sommes issus. Hein? Donc, il mérite un pont. <laughs> Je l'avais dit publiquement, ça. <laughs> euh, Maurice Richard aussi en aurait bien Bien sûr, bien bon. sûr, bien sûr. Mais moi, d'ailleurs, j'ai été étonné par la, 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 la oui, réaction des Québécois. Oui, absolument. Hein, les, oui, euh, c'est vraiment rassurant en oui, un sens. Hein? Oui, oui. Oui. Euh, par la suite, euh, les premiers coureurs des bois, euh, on a l'impression, hein, spontanément, quand on regarde la Nouvelle-France, que les coureurs des bois, c'est dès le début, les premiers pionniers qui débarquent, tout ça. Mais vous dites dans un texte. C'est autour de 1649-1650 qu'apparaissent les premiers coureurs des bois. Et ça, c'est important pour la suite de l'histoire de nos grands explorateurs. Pourquoi cette date à peu près et pourquoi ouais. si tard? Bien, on peut toujours penser que les truchements, comme Étienne Brûlé, Nicolas Godefroy et, 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 et même Jean-Nicolette, ensemble, c'est des coureurs des bois. Mais euh, là où ça commence pour le vrai, c'est le jour où les fourrures n'arrivent pas par les Indiens. Hum. C'est-à-dire, la Huronie a été détruite. En 1649-1650. Et là, là, il y a un grand vide. Et, euh, et là, là c'est la panique, d'ailleurs, dans la colonie. Parce que là, les fourrures n'arrivant pas, c'est la richesse. C'est avec ça qu'on on, on finance l'entreprise. Marie d'Incarnation le dit, d'ailleurs, très clairement. Et pourtant, ce n'est pas sa spécialité, mais elle se rend bien compte de ce que ça veut dire. Donc, à un moment donné, en 1953 à peu près, toujours à Trois-Rivières, il y a, il y a des, des, des Indiens qui arrivent du Haut-Saint-Maurice avec de grosses cargaisons de fourrures. C'est qu'ils ont contourné. Ils sont passés par le, le chemin du nord, parce qu'au sud, c'était bloqué par les Iroquois, L'Ottawa n'était pas accessible, donc ils sont arrivés par le nord. Et là, à trois vias donc, des il dit Sapristi, s'ils sont passés, on peut passer. Fait qu'il dit à un ami Eustache Lambert, et il dit On y va, l'année prochaine, on part tous les deux. Ils y vont. Ils reviennent, au bout d'un an ou deux, avec, des, je pense, 60 canaux d'Indiens, plein de fourrures, etc. Ça c'est en 1659. Peut-être 59, oui. merci. Oui, avec, avec son beau-frère, non? Avec, non, mais là, là peut-être qu'on en a sauté une. Là. Non, mais c'est pas grave, mais avec son beau-frère, euh, C'est pas tout de suite. Pas tout de suite. pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, le beau-frère, justement, quand il veut arriver son beau-frère, euh, il <laughs> euh, lui dit, hum, il a lui, vraiment euh, il a tombé sur le filon. Fait qu'il lui dit, écoute, on est quand même beau-frère, toi et deux. Hein? <laughs> la Alors, famille, la famille. Hein, la famille, la famille. Puis le, le, le type en question, c'est Radisson. Et Radisson, il y en a vu d'autres. Comme, euh, ah oui. comme Delgroseillier avait été lui-même donné chez les, chez les Indiens. Il avait vécu chez les Indiens. Donc, il savait où il s'en allait en partant en expédition. Donc, Radisson, lui, a été prisonnier des Iroquois. Il s'est évadé, il a été repris, etc. Là, il a vraiment en fait euh, ses classes. Il part avec Des Delgroseillier. Le gouverneur, il dit Ah bon, vous vous en allez là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fourrures. Alors, il dit J'ai quelqu'un qui va vous accompagner. L'hôtel va vous accompagner. Le gouverneur, il veut savoir où sont les tales. Hein? Alors, euh, alors, Des et Radisson ils disent Bon, bon, bon. Alors, ils partent un peu en cachette. Ce qui fait que quand ils vont revenir, euh, bien, le gouverneur fait saisir les cargaisons de fourrure et met des, gro des groseilliers en prison. Mmh. Et leur Radisson, il dit « Ça va faire, là. Ça va faire. » Alors, l'étape suivante, ce qu'ils disent, c'est comme ça qu'ils nous traitent. On va aller travailler directement avec des Anglais. Parce que pendant leur deuxième expédition, ils ont découvert la proximité de la baie du Son par rapport au centre du continent. Parce qu'il y a tout un réseau fluvial qui part de la, de la baie du Son. Alors, ils disent « il Là, il y a quelque chose à faire. » Et là, ils vont, ils vont mettre dix ans avant de convaincre les Anglais de, vraiment de créer la compagnie de la baie mais c'est vraiment les fondateurs de la compagnie de la baie -Luton. Alors, les, les Français se sont vraiment tirés dans le pied cette fois-là. Ce qui est drôle dans cette histoire-là, quand on regarde, on a l'impression que c'est une querelle d'égo, mais qui va avoir un impact géopolitique, ouais. mais vraiment majeur Absolument. pour la, la, la Nouvelle-France. c'est toujours comme ça en histoire. Hein? La petite mène à la grande. Oui. Bien, dans, dans ce cas-là, même, il y a eu un revirement, mais euh, je pense qu'ils ont été à un moment donné euh, réhabilités, mais ils sont encore... Euh... Ouais, oui, là, on n'a pas le temps de raconter tout, ouais. ce, tout ça, mais <laughs> la, 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 ce qui est la constante, c'est que, finalement, Radisson va vraiment faire son, son lit. D'ailleurs, il va marier, à un moment donné, une, une fille ou petite-fille des Kirk qui avait pris Québec en 1629, hum. comme quoi tout se tient en histoire. Oui, absolument. Alors, ça, c'est pour le Nord. Donc, on a ici deux de, de grands explorateurs. Mais là, on a une raison de plus. Là. Comme le Nord et les Anglais prennent pied grâce à Radisson et des groseillers, là, il faut donc encore aller davantage vers, vers le centre, aller pousser encore. On cherche toujours la mer, la mer de l'Ouest, on cherche toujours l'accès au Pacifique. Donc, raison de plus, parce que là, au Nord, puis du côté d'Albanie et New York, c'est pas contrôlé. Donc, la chance des Français, c'est de foncer vers le centre. Oui, foncer vers le centre, sauf que ça nous amène plus vers le sud, parce que les grandes explorations qui vont, euh, qui vont débuter à partir des années 1670, 1680, c'est beaucoup plus vers le sud, via le Mississippi. C'est est ça qui est, un, qui, qui, est, qui est assez fascinant. On, on veut une route vers l'ouest, mais finalement, on va... <laughs> On, on va se retrouver dans le golfe du Mexique. Oui, on, euh, on retient qu'on est toujours devant l'inconnu, on ne sait pas. Oui. Hein? Alors quand on est rendu, mettons, au lac Michigan ou euh, à, la baie, à la baie des Puins, comme on dit aujourd'hui, c'est Green Bay, alors là, on, a, on apprend, on entend des, des récits. Les Indiens racontent des choses. Et puis, ils parlent d'un grand fleuve. Alors, où mène ce grand fleuve? Il n'est pas dit que le grand fleuve mène, euh, mène dans le golfe du Mexique. Non. Il prenait ailleurs, si Bien sûr. Donc, il fallait voir. Donc, et comme il y a un réseau... Euh, qui se développent euh, avec la rivière des Renards, la rivière Wisconsin, etc. Il y a une route là, qui, mm -hmm. qui se dessine. Puis il y a des Indiens intéressants, les Illinois, par exemple, c'est des Indiens intéressants. Donc, on se laisse un peu entraîner pour aller voir, là. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas voir ailleurs. Mm -hmm. Mais là, il y a une étape. Là. On va aller voir, là. On ça. va aller, aller voir vers et, le sud. Et les premiers qui, euh, qui vont voir, comme vous dites, euh, c'est une équipe qui est devenue célèbre, c'est celle de Louis Joliet et du père Jacques Marquette. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait de ces, de ces expéditions? On n'en sait pas assez parce que, à mon avis, c'est une des plus importantes. Euh, Joliette avait pris des notes. Le père Marquette avait pris des notes. D'abord, au début, c'est Joliette. Mais Joliette, il s'en va. Euh, mettons, en tout cas, Micheline Mackinac, peut-être. Et euh, puis il y, a, il y a une lettre du, 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 voyons, euh, du chef de la des, 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 des communauté religieuse, le, le patron de, de Marquette. En, et la lettre dit à Marquette, profitez-en donc pour aller voir vers de nouveaux Indiens à convertir. Donc Marquette va faire équipe avec Joliette. Les deux, donc, sont sérieux, ils prennent des notes, ça se passe bien, les Indiens les accueillent bien, ils savent traiter avec les Indiens. Mais au retour, Marquette euh, va, va perdre ses papiers, ça va disparaître dans un incendie. Et euh, Joliette, lui, quand il revient, il est tellement excité. que tu a fait un grand voyage. et Écoute, il arrive à Montréal, il est dans un rapide de la Chine. Il dit, je l'ai vu assez, là. Moi, un rapide de la Chine, ça me dérange pas. Il fonce là-dedans, puis il verse. Il vient tout près de se noyer. Il y avait un petit Indien avec lui. L'Indien est noyé, il perd ses papiers. Donc, on a reconstitué, tant bien que mal, euh, le récit de Joliette et Marquette, mais on a perdu des documents bien importants. Mais il reste que les découvreurs du Mississippi, pour moi, c'est eux. C'est-à-dire que c'est vraiment les premiers... C'est les premiers qui vont montrer la route à un personnage que vous aimez moins. C'est-à-dire que les premiers, en histoire, c'est toujours difficile, hein, les oui. premiers. En tout cas, parmi les premiers, parce que ça s'est fait par étapes. Il y en a d'autres qui avaient tracé un peu le chemin. En tout cas, eux autres, ils l'ont utilisé jusqu'au pays des Arkansas. Et donc, c'est important. Alors là, vous voulez oui. me mettre sur une piste d'un oui. autre que j'aime pas. Là. Exactement, c'est ça. Mais qui, qui est quand même assez fascinant, c'est le fameux Robert Cavalier de La Salle, qui, lui, va descendre le Mississippi et va aller, il va, va, va arriver au, au golfe du Mexique en oh, 1684. Ouais, bon. Hein? Alors, ce personnage-là est un personnage euh, vraiment hors du commun aussi. Euh, vous trouvez qu'il est, est plus un héros de roman qu'un bon explorateur Il fera un bon héros de roman, mais un explorateur, dites-vous, raté. Ah, comme, comme héros de roman, un héros, un héros, c'est beaucoup dire. Comme personnage de roman, <laughs> héros, non. Alors, expliquez-nous votre, votre scepticisme. Non, mais là, ça prendrait une émission. Juste non, 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 vous avez le sens de la synthèse. Venez vous allez nous expliquer ça. Ah, oui? Oui, oui, ah, bon. oui. oui, oui. J'ai lu les Boréales Express <laughs> à 10 ans. là. Écoute, la première fois, c'est vrai qu'il réussit à descendre le de Mississippi jusqu'à l'embouchure. Donc, là où Joliette et Marquette s'étaient arrêté, oui. à l'Arkansas, ces les autres vont se ensemble jusqu'à l'embouchure. Là, il y, a tout, il, y a, il y a un manteau écarlate, il y a la grosse mise en scène. parce que Mais parlez-nous de ses origines, oui, c'est ça. Ouais, c'est un noble. Un homme qui a été, a été 10 ans à peu près en communauté hein, chez les Jésuites. Il y a un frère qui est sulpicien. Euh, bon, en tout cas, il, il, il se conduit comme un homme. Un, un Alors là-bas, c'est la grosse mise en scène. Et puis là, après ça, il rentre à, il rentre à Montréal pour aller chercher euh, son prix. Puis là il, là, il veut vraiment fonder une colonie. Alors là, il va finalement aller en France. Là, il, veut du, il veut du financement. Alors, il est un peu responsable de tout ce qui va suivre par, pour les erreurs qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il semble bien que... Il a suggéré que le Mississippi coulait peut-être beaucoup plus à l'ouest qu'il ne coulait en réalité. Peut-être même dans le golfe de la Californie. Ça vaut la peine de mettre de l'argent là-dedans. Et quand il va s'y rendre par, par la mer, par le golfe du Mexique, il va lui-même s'induire en erreur avec les faux renseignements qu'il a donnés aux autres. Il est pris avec ça. Mais là, j'exagère un petit peu. Là. Oui, mais mais juste... reste il reste qu'il se ramasse à 800 km de l'embouchure du Mississippi. Oui, Excuse-moi, pour... oui, oui. comme découvreur, là. 800 km de l'embouchure du Mississippi, tu peux trouver mieux. Hein? Ce n'est pas, pas un navigateur très aguerri. Mais c est, c est ah, juste, non, bon. juste pour comprendre, c'est-à-dire que là, il, il arrive au Mexique. Va, on va, on va, vous on avez été trop vite, là. On va résumer. Non, on mais c'est ré... parce que vous avez été trop vite, parce que là, il retourne en France. Oui. Pis là, il a, il, a, il a quand même auréolé d'une certaine gloire. Oh, non, non, mais quand Non, non, le roi va dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça Le roi n'est pas. Bien là, il, il a, du a été vraiment dupé parce qu'il a donné beaucoup d'argent pour ensuite trouver l'embouchure du Mississippi, mais en passant par le sud. Non, mais il faut que vous compreniez. Il avait descendu par le Mississippi. Là, on lui donne de l'argent pour, re, pour retrouver l'embouchure du Mississippi, oui. mais par le golfe du Mexique. Ouais, tu parles un découvreur, tu découvrir. Sais, il ne savait pas où était l'embouchure, il ne la retrouvera jamais. Que... Ça ne vous impressionne pas, vous il arrive avec tout un équipage, quand même. Mais. Non, mais t'as l'air bien parti. Non, que... mais c'est impressionnant. Ben moi, je... moi il m'impressionne. Qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que moi. Mais, mais ça m'impressionne, en fait, qu'il ait convaincu le roi de ouais, le financer. Je le pense penser. que ton ignorance est confortable. Oui, absolument. C'est possible. C'est possible. Mais racontez-nous la suite, quand même. Donc il arrive à 800 km de la fameuse. de que je de mes notes. <laughs> parce que je sens que je me suis mis dans un terrain un peu fragile. <laughs> Alors, quand il repart, il, 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 il repart avec une escadre, 24 bateaux vers les Antilles. L'objectif, c'est de créer une colonie à l'embouchure du Mississippi. <laughs> il y a quatre, là, finalement, il y a quatre bateaux qui le concernent à lui, deux fournis par la Monarchie, deux qu'il va financer avec l'argent qu'on lui a prêté, parce que lui, il en a pas. Et, euh, et là, il y a un capitaine là, qui, avec lequel il se dispute constamment, mais ils sont 300 à bord des bateaux. Et là, ils passent tout droit. On s'en va la fonder une colonie. On s'en va fonder une colonie. Et euh, l on est en 84. L'année suivante, Beaujeu, qui était le capitaine, il dit Moi, j'en ai assez vu, je rentre. Puis il dit Ceux qui en ont assez vu comme moi peuvent rentrer avec moi. Donc, il va diviser à peu près en deux les gens qui étaient venus pour fonder une colonie. Il va en rester à peu près 100, quelques, 180 peut-être. Avec la salle, on est à 85. Oui, parce qu'on ne trouve pas l'embouchure, on ne par... trouve pas le non, lieu. Non, 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 non. Vraiment, on ne l'a pas trouvé. Hein? Mm. Euh, et alors, donc, pendant deux ans, on va errer. On va errer dans le Texas. On cherche. On construit euh, des forts, on se chicane avec les Indiens. C'est vraiment un de ceux qui a réussi à se chicaner avec euh, les Indiens, puis point qu'un peu. De temps en de temps, de temps, de temps, de temps, de temps, deux ou trois Français qui disparaissent. Il y en a un qui se fait piquer par un serpent, l'autre qui se fait manger par un alligator. Euh, l'autre, euh, il traîne de la pâte, donc on le laisse dans la forêt. Vraiment, là, ça va mal. Ça va mal. Et ça se termine par on va, on va aller à, aux conclusions là. ça se termine par l'assassinat de La Salle. Un assassinat euh, par des gens qui, qui trouvaient qu'on allait nulle part. Comme vous comme m'avez dit que vous vouliez que je parle davantage de la fin de la salle, le Shannon Group, par exemple, arrête d'en parler après l'épisode de, de 82. Il dit, Ça ne sert à rien de continuer. De toute façon, il meurt assassiné. Je prends Raymond Italien Raymond Italien l'arrête aussi. Les historiens francophones, en général, ils arrêtent après l'expédition de 82 puis ils disent Il se fait assassiner en 87. Hum. Mais là, comme vous m'avez provoqué, je me suis mis là-dedans. Mais là, là, vraiment, honnêtement, je n'ai pas le temps. Non. Mais il mais, mais, est assassiné. Mais la veille de son assassinat, lui, on assassine son neveu, on assassine son domestique, on assassine un indien chouannon qui est, qui est un, un fidèle pour lui. Et un de ceux... Alors là, lui, quand il voit tout ce qui s'est passé, là, il est tiré à bout portant par un type, là, je sais maintenant que c'est un de ses créanciers, qui a vu mourir son frère pendant l'expédition. Alors, et là, et là ça, on commence à s'entretuer. Et puis, alors, on apprend tout ça par un certain nombre de sources. Mais entre autres, on a Joutel qui était là. Il a eu la peur de sa vie. Puis là, les gens ont dit, non, non, on a assez tué, là. On n'en tue plus. Et là, Joutel va rentrer, il va écrire le, journal, le, le récit de tout ça. Et je l'ai découvert grâce à toi, d'ailleurs. Euh, ça a été publié en 1713. Et là, je me suis dit, il faut que je réédite ça, mais malheureusement, ça a été réédité mm -hmm. depuis, mais il reste que là, je l'ai lu à peu près au complet. J'ai trouvé ça fascinant, mm -hmm. mais on n'en parle jamais dans nos livres d'histoire, mais ceux, que les Américains, maintenant, en parlent. Mm -hmm. Et là, il y, une, il y a une documentation inouïe, inouïe aux États-Unis, parce qu'on a découvert récemment euh, un des bateaux de la salle, mm -hmm. le, le Bell. Et, et là, on a créé, écoute, vraiment, c'est toute une mise en scène pour reconstituer ce qu'il y avait à bord de ce bateau-là et, et tout. Et les Américains, vraiment, d'abord, les Américains, ils font encore d'histoire là-bas. Hein? Mm -hmm. Et les spécialistes, qui font du terrain, font font d'histoire événementielle, s'intéressent mm -hmm. au monde. Mm -hmm. Ici, c'est moins vrai, là. Alors là-bas, c'est encore vrai. Ils sont mm -hmm. incroyables. Mm -hmm. Alors là, tu as toute une armée d'historiens, de spécialistes qui, qui tournent autour. Mm -hmm. Et comme je suis pas de bonne volonté, moi. Alors je vais te dire que je me suis dit, pourquoi ils ont tant d'admiration pour la salle? Parce qu'ils admirent la salle, hein? Mmh. Découvrez mais. C'est parce que la salle, il a échoué finalement. Ça les arrange. Ah, je, là, je comprends, là, là, le chasseur du sac. Okay. C'est pour ça que vous l'admirez. C'est pour ça que vous ne l'aimez pas. Mais, en enfin, fait, moi, je trouve que c'est un destin tragique parce que je le revois euh, tout dans sa gloire de 1684. Puis là, il même pas capable ouais, Comme de je te connais, Éric Bédard, tu arrêté dans l'expédition. <laughs> je ne sais pas. Je pense je... que tu aurais fait un mauvais parti à la salle. Je ne sais pas. C'est possible, après trois ans, de chercher l'embouchure. là. Mais, toujours <laughs> est-il que c'est pas lui qui va donc fonder la Louisiane, non. mais bien euh, pierre bien. Le monde du Duberval. Alors, lui, les Anglais ne l'aiment pas. Oui, ça, on peut le comprendre. voilà. Alors, ben lui, il va découvrir euh, l'embouchure du Mississippi. Il va découvrir l'embouchure du Mississippi. Il va justement refaire, refaire le voyage, mais il va trouver l'embouchure. Oui, mais je dois admettre qu'il y a eu un peu de chance. Parce que là, il, il longe la côte, il longe la côte, puis à un moment donné, il veut se mettre à l'abri. Puis en voulant se mettre à l'abri, il va arriver un filet d'eau, euh, d'eau qui n'est pas salée. Et là, il remonte ce filet-là, puis là, il va remonter le Mississippi. Alors, il va fonder avec son frère euh, la ville de Nouvelle-Orléans. Et la ville va aller vers l parce que derrière ces expéditions-là, le duc d'Orléans, Philippe euh, duc d'Orléans, qui, euh, qui encourage tout ça. Et là, là on va quand même euh, expliquer autre chose. Tu me disais tout à l'heure, on est allé vers le sud alors qu'on aurait dû aller vers l'ouest. Mais une fois qu'on est allé vers le sud, là, on a vu en allant vers le sud par le Mississippi les affluents du côté ouest. Mm -hmm. et, et là, ça, on ne l'a pas oublié. Donc, euh, en bas, il y a la rivière rouge. Donc, il y a quelqu'un qui a dit il faut remonter à la rivière rouge. L'autre, c'est l'Arkansas. Il faut remonter l'Arkansas. Mais le cours d'eau le plus important, c'est le Missouri. Et donc là, on met sur le Missouri. Et le Missouri, on pense que c'est lui qui va nous mener vraiment à la mer de l'Ouest ou plus loin. Exactement. C'est-à-dire qu'on on, on on, on fait des expéditions vers le nord, reddition des groseilliers. On va vers le sud, pensant que peut-être ça nous mènerait à l'Ouest. Sauf que le chemin vers l'ouest, on veut toujours le trouver. Oui. Hein, c'est comme une obsession, c'est l'obsession de tous les explorateurs, oui. même tardivement au 18e siècle. On pense toujours que c'est le 16e siècle, là, la, la route de vers l'Inde ou la Chine, mais jusqu'au 18e siècle. Et là, vous, vous attirez notre attention sur des gens qui sont un peu tombés dans l'oubli, mais qui oui. ont vraiment fait des efforts, des expéditions ah, oui. que vous, vous trouvez <laughs> admirables. Parle, Parlez-nous un peu de ces personnages. -là. Oui, oui. Euh, puis même, euh, on pourrait aller au-delà du mandat de, de ce soir parce que ça continue. Quand j'écris un livre sur les clark par exemple, oui. je me rends compte que les Canadiens n'ont pas arrêté après 1760. Ils n'étaient plus en train de construire l'Amérique française, mais ça les intéressait encore d'aller plus loin. Ils sont de toutes les grandes expéditions. Il n'y a pas de grandes expéditions, depuis et de plus mécanisées toutes les autres. Il n'y a, a pas des guides. Parce qu'ils ont, ré, ont réuni le savoir-faire des Indiens. Et ils, font le meilleur, ils réunissent la meilleure des deux mondes, de ce que l'Européen peut apporter, de ce que l'Indien peut fournir. Donc, si on revient aux affluents du Mississippi, le, un des compagnons des de Lemoines, D'Iberville, Bienville et D'Iberville, c'est un nommé Jusqu'au-Saint-Denis. Mm -hmm. Jusqu'au-Saint-Denis, lui, va remonter le, le, la rivière Rouge. Il va aller voir ce qui se passe chez les Espagnols. Et là, il se fait arrêter parce qu'on ne pas nécessairement bienvenu. Mais pendant qu'il est, pas en captivité, mais sous surveillance, il fait la cour au commandant de la place. Et finalement, il va la marier. Ça se passe pas mal, hein Il va la, ram la, la ramener en Aquitoche. Mais là, il y a une ouverture vers euh, vers l'intérieur, parce que là, on va commencer à, à aller vouloir, aller vérifier, parce que au, les Mexicains, ils sont devenus déjà légendaires pour leur richesse et tout, pour les mines qu'ils ont. Donc, on va aller voir. Il y a eu le Castor qui a attiré les gens, mais là, tout d'un coup, il y a l'argent et l'or qui commencent à distraire un peu. Tu as les frères Malet dont on parle pas dans nos ouais, livres. Mais, mais genre, les, hein? les, les Américains sont sont, aiment beaucoup les frères Malais. Parce que qui sont-ils? D'où deux frères qui. Euh, je me rappelle plus où est-ce que. De la région de Montréal, en tout cas. Mm -hmm. Et euh, donc, eux autres, ils vont remonter le Missouri. Et puis là, finalement, ils vont bifurquer. Ils vont se rendre jusqu'à Santa Fe, jusqu'à Taos. Et, euh, et là, quand ils reviennent, il y en manque deux, parce qu'ils ont découvert le charme des Mexicaines. Donc, il y en a deux qui sont restés là-bas. Et d'ailleurs, progressivement, euh, au fur et à mesure que le commerce de fourrure perd de sa, de sa popularité, Là, on va commencer euh, à regarder du côté de Taos, du côté de Santa Fe, et je vois beaucoup de Canadiens qui se recyclent dans la tequila. Ils partent de la traite des fourrures, puis ils se recyclent dans la tequila. Bon, ah, ben, avant... ça, ça, vraiment, c'est une découverte de la soirée. Là. La tequila canadienne française, quelle histoire qu'ils dire qu'ils vont vivre parmi la tequila. Ah oui, ils deviennent producteurs. Non, Toute... ils... c'est sérieux là. Hein? Ben, ben, Expliquez-nous. Bien, en fait, il n'y a, a plus d'avenir pour eux autres ou pas beaucoup. Euh, là, on est rendu vers du 130. Là. Mm -hmm. Il n'y a plus beaucoup dans le domaine de la fourrure. Donc, ils vont toujours vers le sud, davantage vers le sud et puis ils finissent, ils finissent par faire leur chemin. Et puis euh, là-bas, bien, là, il avait côtoyé les Indiennes, bien sympathiques. Mais là, il retrouve des, des filles avec euh, la dentelle, les parfums, et ça, ça change un peu, quoi. Oui. Il s'accroche. Oui. Il s'accroche. Oui. Alors, mais pour, pour les gens qui s'accrochent, oui. en a encore le temps. Il y a, oui, oui le, oui. le grand des grands, c'est Viennard de Bourmont. Oui, parlez-nous de lui. Oui, c'est vrai, vous insistez sur lui. Ah! Alors, parlez-nous de lui. Bon, là, je voudrais avoir toute l'heure pour Viennard non, non, de Bourmont. prenez un bon cinq minutes. Ah oui, ah oui. C'est une façon pour moi de savoir combien de temps je veux. Alors, Violeur euh, alors, de Beaumont, c'est un noble euh, qui a. Quelle année Comment Quelle année il naît à peu près euh, oh. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il doit être né vers 1660, 1670. Mm -hmm. Mais il est, il est à Détroit pendant la guerre des renards. Ça se passe mal. Il est gardien du fort. Il, il, perd, des, il, perd, des, des, il perd des combats. Alors là, il est un peu humilié. Mais en même temps, il fait la connaissance d'une de, 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 autre fille de Trois-Vierges, Élisabeth Cook, qui est une métisse, en fait, et, euh, et elle, c'est une spéciale. Euh, si quelqu'un veut avoir euh, passé un bon moment, là, on lit euh, Madame Montour. Madame Montour, c'est Élisabeth Cook. C'est une femme incroyable qui, qui va avoir d'ailleurs une, une fille qui, qui va prolonger un peu euh, son parcours à elle. Donc, Villeneuve-Bourmont euh, découvre le charme de Madame Montour, et là, ils vont disparaître tous les deux. Pendant un certain temps. Puis, un bon jour, il va, il va se ramasser au Missouri. Parce qu'il y a des Indiens qui sont venus combattre avec les alliés des Français, et parmi lesquels, il y a des Missouri. Et les Missouri lui parlent de leur pays. Alors, il dit Je vais vous raccompagner chez vous. Et là, il se ramasse le long du Missouri, et euh, il, fait, il est instruit, il fait des récits de ce qu'il voit. On est vers 1720, peut-être. Et, euh, et là, ça sera en France, et euh, le, le régent voit ça. Et là, il dit à Charlevoix, le, 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 le 8 Charlevoix. Un des premiers historiens. De oui, un des premiers historiens. Charlevoix, d'ailleurs, quand il descend le Mississippi puis qu'il arrive à la hauteur du Missouri, il dit Oh, oh, il faudrait aller explorer de ce côté-là. Et là, le régent dit à Vionard de Bourmont Écoute, il y a les, les Comanches, pas trop, les, il y a des Indiens là, qui dérangent tout le monde. Pourrais-tu aller les pacifier puis en même temps, fais un peu d'exploration. Et là, Viennaire de Bourmont va retourner au Mississippi. Ça va être le grand. Le, le, le nom. Il, il attache son nom à l'histoire du Mississippi. Du Missouri, excusez. D'ailleurs, on le célèbre là-bas. Il, il est très connu. Et lui, il ne fait jamais les choses à moitié. Là, il y a plus à Elisabeth Cook. Là. Alors là, c'est des princesses indiennes. Et quand tout est, tout est fini, il ramène un contingent d'Indiens Missouri et, et sa princesse euh, à Paris. Et là, c'est la, la, la grosse mise en scène. Mais donc, lui a été vraiment un pionnier du Missouri. Mm -hmm. et, et donc, vous insistez sur le rôle que jouait le, le, le régent Philippe d'Orléans oui. hein, après la mort de, de Louis XIV. Qui, oui. C'était un homme de progrès, de oui, science? Oui, oui, euh, ben, oui. Quand on découvre ces personnages-là, on veut savoir un peu plus. Alors, dans le cas de... je ne savais rien de lui, mais j'ai découvert que c'est un, un homme tourné vers l'histoire, la géographie et les sciences. Donc, tout ça, ça l'intéressait. Il y a une curiosité. Mmh. Donc, il encourageait les gens à, à aller plus loin. Et évidemment, lui aussi entretient le rêve de la mer de l'Ouest. Mais quand il va quitter, d'ailleurs, il va dire au ministre au rapport repas, il dit, moi, je, je m'en vais, là. Il va mourir, d'ailleurs, pas longtemps après. Mais il dit, il faut que tu continues. Faut Il faut continuer à pousser les explorations. Et c'est là que mon rapport va dire à Bois en Arnois, qui est-ce qui pourrait bien poursuivre ces mouvements d'exploration Et c'est ce qui nous amène au, au Ben Justement, parce que vous avez parlé de quelques personnages comme ça qu'on a un peu oubliés, enfin, qui n'ont pas, qui ont, qui ont, qui ont pas gravé notre mémoire collective. Mais La vérandrie père et, et fils, euh, ce ne sont pas tout à fait des explorateurs, je pense, hein, au sens classique. Ce hein? sont des non. marchands. Ben... Ouais, écoute, c'est une bonne question. Euh, le Pierre Lavirandry, le père, euh, c'est le fils d'un officier de Carignan. Il va faire un début de carrière, je pense, en France, dans l'armée. Je pense qu'il va être blessé pendant la guerre de, la guerre de succession d'Espagne. Il revient, il cherche un peu. Les, les, les nobles, euh, ce n'est pas toujours évident. Et là, il y a un de ses frères, un de Varennes, qui est à. Aujourd'hui, c'est. Euh, en tout cas, c'est dans le haut du lac axe, du axe Supérieur, et euh, qui a un, un poste là-bas. Alors, il, il regarde un peu évoluer son frère, puis il dit Peut-être que je pourrais essayer ça, moi aussi. Alors, il, il s'intéresse soudainement à la traite des fourrures. Et là, il va entreprendre d'ouvrir des postes, d'ouvrir des postes, d'ouvrir des postes. Il y a 13 enfants, dont quatre garçons, qui sont vigoureux. Alors, il les, en, les entraîne avec lui. Et là, vraiment, c'est là, toute une équipe. Hein? C'est impressionnant. Ah oui, oui. Et là, c'est étape par étape. On est, on, puis là, il n'y en a pas un cours d'eau qui, qui ferait le chemin. Là. On ne descend pas le Mississippi. Là, mm -hmm. Là, vraiment, on y va. C'est du saut de mouton. Mm -hmm. On crée des postes, on ouvre des postes, puis on fait des ententes, puis on traite avec les Indiens. Et puis, est, il, est, il, est, il est avide au gain. Il est âpre même au gain. ça, l'avait rendrait. Tellement que quand il ramène des fourrures, il met aussi dans le paquet des, des esclaves. Il fait vraiment le commerce des esclaves. Puis il le dit, il dit, écoute, on fait des affaires, hein? On fait des affaires. Les Indiens eux-mêmes, d'ailleurs, il n'y a pas de la, la, la fourrure puis il y a des esclaves. Les Indiens eux-mêmes le font mm -hmm. collaborent. Mm -hmm. Mais il reste qu'au total, il y a donc là un, un mouvement qui s'est créé. Et à, à Paris, on trouve que là, un poste, un poste, un fort, un fort, il y aurait peut-être moyen de renouer avec les explorations de Viandard de Bourmont, d'aller un peu vers le sud. Et les Mandans sont devenus des Indiens célèbres. On les, on les considère comme étant un peu à mi-chemin entre l'européen et l'Indien. Ils sont supposés avoir la peau plus pâle. Il y a une légende autour des Mandans. Allez donc voir du côté des Mandans. Les Mandans. Les Mandans mmh. ou les Mandanes. Euh, donc euh, ils sont sur le Haut Missouri. Mmh. Et donc euh, les, euh, les, les lavandières vont donc aller chez les Mandanes. Ça, ça, il ne se passe pas grand-chose la première fois, mais après ça, le père va se dire on peut n'a peut-être pas insisté assez. Fait qu'il envoie deux de ses fils chez les Mandanes, pour pousser euh, vers la, toujours la fameuse mer de l'Ouest. Et la mer de l'Ouest, on la montre sur des cartes, hein? mmh. Pour les gens, elle est réelle. Comme il y a la, la baie du Tisson, euh, il y a la, le golfe du Mexique, il y a le golfe de Californie. On imagine qu'il y a un golfe aussi à la hauteur de, mettons, du lac supérieur. Donc, ils sont... Euh, le, 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 la mer de l'Ouest est représentée. Donc, objectif, ils disent, ça va faire, là, vous avez assez gagné d'argent, ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs, parce qu'il faut qu'ils financent toute leur expédition. Mais là, on leur dit, c'est le temps... De, de mettre le paquet pour atteindre la mer de l'Ouest. Et donc Pierre Lavalandry envoie deux de ses fils qui retournent chez les mandants et là ils partent avec là c'est pas deux trois explorateurs là c'est des centaines d'indiens qui les accompagnent pour aller euh, rejoindre la mer de l'Ouest. Et ça est finalement la conclusion de cette expédition. Euh, les indiens qu'elles accompagnent ont peur euh, de, des, des ennemis qui euh, qui sont à l'horizon. Euh, et à un moment donné, ils arrivent dans un village ennemi pour se rendre compte que le village est vide. Là, ils disent, ce pas possible. Si le village est vide, ils sont quelque part, puis ils sont probablement en train de balayer nos villages, les autres qu'on a laissés sans défense derrière. Alors, ils, ils paniquent. Ils disent à, aux deux frères à la vérandrie il faut rentrer. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques à continuer, puis il y a trop de risques à laisser nos villages euh, sans défense. Donc, euh, mais on a eu le temps d'apercevoir une chaîne de montagnes, les Rocheuses. Et là, les lavier ont compris que... Au-delà des chaînes de montagne, on sait comment la nature est faite. Donc, il y a un versant qui va venir à l'autre océan ou à la mer de l'Ouest. Donc, ils sont allés comme ça en vue euh, des Rocheuses, mais ils ne sont, sont pas rendus aux Rocheuses. Et la grosse question, c'est est-ce qu'on est au Canada ou aux États-Unis, parce qu'on est un peu à la hauteur du Missouri. Donc, on est, on est très certainement au sud du 49e. Mm -hmm. euh, le, le, le dénominateur commun de tous ces explorateurs... Euh, euh, est-ce que ce serait justement ce, ce rapport particulier aux Amérindiens? Parce que vraiment, euh, pour franchir le continent, pour explorer, euh, lequel pourrait recevoir la palme de, de, disons de, de la diplomatie avec les Amérindiens, lequel avait peut-être moins de succès de, de ceux des personnages que vous avez explorés. Quels étaient les ingrédients du succès? Je ne suis pas capable d'en nommer un. Je pense que c'est un comportement général, à part la salle, évidemment. C'est un comportement général. <laughs> euh, ils savent faire. Ils savent faire. Et euh, souvent, ils s'installent dans la communauté indienne. Euh, Ce n'est pas seulement de, de, euh, des voyous, là, ou euh, de profiter euh, d'une certaine facilité de, de, de mœurs chez les Indiens ou les Indiennes. C'est que souvent, ils sont accueillis, euh, comme les Lemoines, le par exemple. Ils vont prendre une femme chez les Indiens. Euh, c est, c est, euh, donc, ils font partie de la famille. Mm -hmm. Et euh, c'est euh, vraiment une rencontre qui est, euh, qui, qui, qui est belle. Euh, et, est, ça ne marche pas tout le temps, mais en général, ça se passe bien. Si on passe en revue, là, comme Jean-Nicolette, il va, il va avoir une épouse indienne. Mm -hmm. euh, et euh, la plupart d'entre eux vont avoir une épouse indienne. Mm -hmm. il, y a eu, euh, il y a eu comme un mouvement un peu pour. Euh... Humaniser ces grands héros de l'histoire canadienne-française, un peu plus typique. Hein? On, les, on, les, on en faisait de grands héros, puis on disait au fond, ces personnages-là, il y avait beaucoup l'appât du gain. C'est quoi la part de l'appât du gain dans, toute cette, dans toutes ces expéditions euh, incroyables, mais ils ne il faisaient pas juste ça pour la gloire de, de l'Empire ou la gloire de la France ou, euh, ouais, la, pas, ou la, la science? La ouais, l'appât du gain, dans le cas de Radisson, c'est certain. Euh, dans le cas de Nicolette, euh, non. Dans le cas de Joliette et Marquette, non. Encore qu'il faut qu'ils financent leur expédition. Donc, c est, c est, ça, c'est certain. Euh, mais euh, je vais prendre le fait que ça continue après. Et après, là, il y a plus grand, plus grand espoir de gain. C'est le défi. C'est la nature. Euh, c'est ça qui les, qui les motive. C'est pour ça qu'ils vont être avec euh, le Wiss C'est pour ça qu'ils vont être avec McKenzie. C'est pour ça qu'ils vont être avec du Dubon. Même Parkman, qui ne les aime pas. Euh, va les utiliser pour faire ces expéditions. Euh, ils, ont, ils ont ça dans le sens, ce défi-là, de confronter la nature. Et écoute, quand on refait le voyage bien assis dans notre fauteuil, puis on monte l'Outaouais avec les autres, là, tu sais, le voyage. De, Vous de l'avez fait? Hein? Euh, Vous oui, me disiez ça? Oui, oui, oui. Vous mais, en avez fait plusieurs. Ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, à comprendre. Mm. Euh, par exemple, quand on arrive au Rocheuses, on est en voiture confortable. Il y a 140 km à faire dans les Rocheuses. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Euh, entre le, Missi le Mississippi et les Rocheuses, on ne connaît pas les États-Unis. Hein? Les États-Unis, pour nous c'est New York, Boston, puis Chicago, puis Detroit. Mais quand tu es à l'ouest du Mississippi, c'est le désert. D'ailleurs, les, les réserves indiennes qui étaient à l'est du Mississippi ont toutes été déplacées, sauf quelques rares exceptions. Et on, on dit, les Indiens, OK, ils êtes bien gentils, mais plus loin, plus loin. Alors, quand on se retrouve à l'ouest du Mississippi, par exemple, je suis à Dakota, Dakota du Sud, euh, la, la capitale, c'est Pierre. Mais Pierre, pourquoi? Ben, Peut-être pour Pierre-Lavirandry, parce qu'ils sont arrêtés à euh, Dakota du Sud. Mais combien? Quelle est la population de la capitale du Dakota du Sud? Quand je suis allé, c'était à 30 000 habitants. On est aux États-Unis. Quand je quitte ces, ces villes-là, puis je rentre là, pour aller aux, aux Rocheuses, et, et, je prends des notes pour savoir où je suis rendu, puis les trajets que je fais, parce qu'il n'y a pas d'affiche. Ils nous laissent rouler. Les, les, on nous autorise à rouler 80 000 à l'heure. Parce qu'on est en plein désert. C'est ça aussi, les États-Unis. Mais pour nos Canadiens, là, ça, ça ne les effraie pas. Ils, ils foncent là-dedans, puis ils se retrouvent, puis ils reviennent. C'est ça qui est fascinant aussi. C'est que, sauf dans l'expédition de la salle, ils reviennent tous. C'est là-dessus qu'on va conclure de nouveau joie. Merci infiniment. Merci infiniment pour cet entretien.